Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bicycle Kiliko. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet très intéressant. Je vais vous expliquer en détail comment choisir vos prochaines roues. Après le cadre, l'élément qui vous fera gagner le plus en performance sur votre vélo, eh bien, ce sont les roues. Grâce à leur masse en mouvement, vous allez pouvoir gagner à la fois du poids, de la rigidité, mais surtout de l'aérodynamisme. Il y a fort à parier que lorsque vous avez magasiné votre vélo de route, eh bien, il était déjà équipé de roues en aluminium, un matériau qui est utilisé depuis plusieurs décennies dans l'industrie du vélo et qui propose de nombreux avantages. Déjà, c'est moins cher à fabriquer qu'une roue en carbone. Également, c'est très fiable, c'est utilisable toute l'année, notamment lorsqu'on utilisait uniquement des freins à patins. Car pour le freinage à patins, l'avantage de l'aluminium, c'est qu'il est consistant peu importe la saison. Lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'impact sur la qualité du freinage, ce qui fait que les roues en aluminium ont très souvent été considérées comme des excellentes roues d'entraînement ou des roues pour rouler toute l'année. Mais on va voir que le carbone, avec l'arrivée du frein à disque, a complètement révolutionné la roue du vélo de route. Alors la roue en carbone, eh bien, c'est l'upgrade ultime pour votre vélo de route. C'est plus léger, c'est plus rigide, c'est également plus aérodynamique que leur homologue en aluminium, mais elle souffre encore d'une certaine réputation. La première, c'est d'être moins solide que l'aluminium. Dans les faits, ce n'est pas du tout le cas, c'est même le contraire. Mais il aura fallu attendre 2010 et la victoire de Fabian Cancellara sur une roue en carbone lors de l'étape mythique du Paris-Roubaix pour pouvoir faire changer les mentalités. La deuxième chose, c'est qu'elle souffre d'un mauvais freinage sous la pluie. Alors c'est partiellement vrai, c'était le cas lors des freinages avec des freins à patins qui tendent à disparaître aujourd'hui pour avoir des roues à frein à disque qui ne sont pas du tout impactées, peu importe la météo. Et enfin, le troisième point, eh bien, c'est le prix. Effectivement, une roue en carbone, c'est plus dispendieux qu'une roue en aluminium, mais vous allez voir qu'avec l'adoption de nouvelles technologies, notamment à des jantes sans crochet, eh bien, les marques sont capables de réduire très nettement le coût de ces magnifiques roues en carbone. Alors, il existe différents types de profils de roues adaptés à chaque usage. Donc, il va vraiment falloir déterminer eh bien, sur quel type de parcours vous roulez. Vous roulez principalement en montagne, avec des cols notamment, eh bien, un profil bas va parfaitement vous correspondre. Entre 20 et 30 mm de profil, vous allez avoir une roue qui va être confortable, qui va être très légère, moins de 1200 g pour une roue en carbone à disque, par exemple. Et puis, c'est un profil de roue qu'on va retrouver également dans la gravelle, là où on n'a pas besoin du même gain aérodynamique et qu'on cherche également eh bien, de la légèreté. Ensuite, on va retrouver la route dite polyvalente entre 40 et 50 mm. C'est un format qui offre eh bien, un petit peu le meilleur des deux mondes. On a des roues qui sont quand même très légères, environ 1500 g pour la moyenne pour une roue en carbone à disque, mais avec des poids qui peuvent descendre au-delà, en dessous pardon, des 1350 g par exemple. Mais l'avantage ici, c'est qu'on a un vrai gain aérodynamique. Donc c'est une roue qui est très populaire, notamment chez les professionnels, et surtout qui peut correspondre à tous les types de rouleurs. Et enfin, pour les personnes qui roulent sur un terrain plat, eh bien, il y a les profils de haute section, plus de 60 mm. Ici, c'est vraiment adapté au terrain plat pour les gens qui roulent sur des vélos aérodynamiques ou des vélos de triathlon. C'est vraiment, ça vous permet d'aller chercher le momentum qu'on peut avoir avec des roues à haut profil, vraiment pour gagner en rendement. Mais attention, c'est plus lourd également et puis c'est plus sujet au vent de côté. Alors la largeur interne, c'est un point essentiel pour votre confort, mais également pour votre sécurité. Il ne va pas falloir prendre des sections de pneus trop petites ou trop grandes, en fonction de la largeur de votre roue. Par exemple, si vous roulez sur du 25 mm, un format standard aujourd'hui dans le vélo de route, nous vous conseillons eh bien, d'utiliser une roue avec une largeur interne entre 18 et 20,5 mm. Cette largeur interne est optimisée pour du 23 jusqu'à du 32 mm. Ensuite, si jamais vous souhaitez rouler sur du 25-26 mm avec les gains aérodynamiques qui vont bien avec, eh bien, nous vous conseillons la largeur interne 21 mm. C'est ici que vous allez retrouver également la technologie sans crochet qu'on va développer dans un prochain chapitre, mais également l'avantage de cette largeur interne, c'est de vous permettre de rouler des sections de pneus de plus de 32 mm. Ensuite, on va retrouver la largeur interne 25 mm, notamment popularisée par la série SES AR de chez Envy. Avec une largeur de 25 mm interne, vous allez pouvoir avoir un gain aérodynamique parfait avec du 28 à 32 mm et on ne vous recommande pas de mettre en dessous de 28 mm sur cette roue. Dans ce cas-là, vous seriez mieux avec du 21 mm.
Ensuite, vous avez des largeurs encore plus importantes, comme du 27 à 30 mm. Ici, c'est vraiment le territoire de la gravelle pour des très grosses sections de pneus de plus de 42 mm, par exemple. Alors, issu du vélo de montagne, les roues sans crochet, c'est une grosse nouveauté depuis quelques années, mais ça permet d'apporter énormément d'innovation. La première, ça permet de réduire le coût. Parce qu'une jante sans crochet, ça nécessite moins de matière et le procédé de fabrication est moins complexe qu'avec une jante à crochet, ce qui permet notamment à des constructeurs comme Envy de proposer aujourd'hui des Envy Fondation comme les 45 que vous avez derrière moi à un tarif moins important que ce qu'on retrouvait auparavant. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la robustesse. Le point de faiblesse sur les roues en carbone notamment, c'est souvent au niveau du crochet. Donc, avec l'utilisation de cette nouvelle technologie, on peut créer des roues qui sont plus résistantes à l'impact notamment. Enfin, l'autre avantage, c'est de pouvoir monter des sections de pneus plus importantes, comme on l'a vu dans la section précédente. Et là, en fait, on va pouvoir permettre aux pneus de former un meilleur arrondi, un meilleur ballon, ce qui va permettre une tenue de route plus importante, également avoir une optimisation parfaite entre la jante et le pneu pour l'aérodynamisme. Et également, on va pouvoir avoir des pressions qui vont être du coup moins importantes parce qu'on a moins de risques d'impact et de pinch flat, notamment avec ce type de technologie, ce qui fait qu'au final, on va gagner en rendement, on va gagner en performance, on va pouvoir abaisser la pression et donc gagner en confort. Autre point important dans la roue, c'est le moyeu qui fait partie intégrante de la performance de votre roue. Alors évidemment, plus vous allez magasiner une roue haut de gamme et plus vous allez avoir un moyeu équivalent qui généralement a un poids réduit, mais pas seulement. La longévité, la solidité du moyeu va être également accrue et puis les roulements qu'on va retrouver à l'intérieur seront de meilleure qualité, voire même en céramique pour les modèles les plus haut de gamme. Autre point important dans le moyeu, c'est le corps de cassette et le nombre d'engagements. Alors le nombre d'engagements, c'est le nombre de points que vous allez pouvoir avoir sur le corps de cassette. Et là où c'est très important, c'est par rapport à l'angle de ce dernier. Alors l'angle d'engagement, c'est le nombre de degrés que je peux tourner mon corps de cassette avant d'enclencher mon engagement et donc d'engager ma transmission. Donc plus cet angle est réduit, plus j'ai une réactivité sur ma transmission. Et donc évidemment, si je cumule un nombre de points très important d'engagement avec un angle très réduit, j'ai vraiment une roue très réactive. Ensuite, certains constructeurs comme Envy par exemple proposent de choisir son moyeu sur certains modèles de leur roue. Vous allez pouvoir comme ça mettre soit des moyeux DT Suisse, Chris King, i9, selon vos préférences. Donc, lorsque vous magasinez une roue, il n'y a pas que la roue et la largeur interne à regarder, il y a également la qualité du moyeu. Alors, les constructeurs font de plus en plus d'efforts pour vous offrir des garanties toujours plus intéressante. Prenons par exemple le cas de Envy, propose une garantie de 5 ans sur toutes ses roues en carbone. C'est une garantie que vous pouvez étendre à vie. Et si jamais vous avez vous-même cassé votre roue, par exemple, et que ce n'est pas pris en charge par la garantie, il vous propose de vous l'échanger pour 50% du prix. Ensuite, vous avez par exemple un constructeur comme Roval, qui lui va encore plus loin en proposant une garantie à vie sur l'ensemble de ses roues. Mais en plus, pendant les deux premières années, pour n'importe quelle raison, même si c'est vous qui cassez votre roue, ils vous la remplacent gratuitement. Et par la suite, ils vous la remplaceront pour une fraction du prix. Donc vous voyez, les constructeurs font de gros efforts pour vous offrir des garanties vraiment incroyables sur les roues. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des questions supplémentaires, soit sur les garanties, soit sur l'un des modèles dont on a parlé aujourd'hui ou l'une des technologies, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires juste en dessous, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez aimé ce contenu et j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux le monde des roues, n'hésitez pas à nous laisser un pouce et également à vous abonner et partager cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Kiliko.